sont de drôles de pistolets. Ils marchent sur la tête, même quand c'est pas leur fête. Ça n'est pas une cloche, c'est une sacrée galope. Ça, les gobelets sont de drôles de pistolets. S'il faut faire la combatte, trouvez-en qui les battent. Ce que préfère gobelet, c'est toujours un bol de lait. Ça, les gobelets sont de drôles de pistolets. Ça, les gobelets sont de drôles de pistolets. Allô, les journaux? Oui, j'ai demandé hier de faire passer une annonce dans les journaux. Oui, une annonce. Un momento. Réalisateur désigné, cherche vedette pour film génial. Jeune fille de talent, venez rencontrer les célèbres ni Antonio ni Pasoli. Ah bon, l'annonce est parue aujourd'hui. Perfetto, merci. C'est magnifique. Alors, on fouine, on furette, on belette. Je fais seulement du surveilling de monde. C'est pas beau, ça, ça. Tu dois te mêler de ceux qui te regardent. Justement, elle me regardait. Qui ça? La mademoiselle. La mademoiselle, mais tu radotes. Il n'y a pas de mademoiselle sur le palier. Mademoiselle, vous avez lu mon annonce? Non, ne parlez pas, j'ai les sens, j'ai les saisis. J'ai un flair terrible. Tenez, et devine, vous brûlez de travailler avec les célèbres ni Antonio ni Pasoli. Vous êtes comédienne, vous avez déjà fait du cinéma? Non, 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 ne répondez pas, laissez-moi voir. Oh. En tout cas, gobelet. Le nouveau voisin, il n'arrête pas de recevoir des vermouilleuses et encore des vermouilleuses. C'est pas nous qu'on aurait cette chance. Bon, tu sauras, mon petit sol, qu'il n'y a rien de plus facile que de remplir une chambre de fille. C'est vrai? T'as le secret? J'ai pas, y a pas de secret. T'appelles le journal, tu fais passer une petite annonce. Les plus belles filles de la ville sont priées de se rendre au 13e étage, rencontrer le super clown, l'étonnant gobelet en personne. Wow. Et ça marchera? Bah, tu parles, moi, des hordes, des marées de filles vont déferler ici. Il y en aura partout, 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 partout. Oh, partout, partout, partout. Oh, oh. Gobelet, appelle tout de suite, alors. Il me semble que je les vois déjà sauter sur toi. Amoureuse dévorante. Amoureuse dévorante de moi? Oui. Toutes? Toutes. J'ai le trac. J'ai les spatules qui tremblotinent. Je grelotte de partout. Je saurais jamais quoi faire, quoi faire. Mais t'en fais pas, je vais te donner quelques petites leçons, suis-moi. Où ça? Dans la rue. Oh, non, non, pas dans la rue. Non, il y a plein de filles partout dans la rue. Mais justement, si tu répètes jamais avec les accessoires, tu ne sauras jamais. Voyez-vous, je suis rendu au point où je dois assumer mes fantasmes. Je vais donc faire un vigoureux film d'horreur. D'ailleurs, tenez, voici les scénarios en diagonale. Un monstre aux idées suggérées par les mots émotivement concernés terrorise en plein bois une jeune fille qui n'en est pas encore sortie. Vous voyez ce que je veux dire? Je vous vois très bien, on parle victime. Bon, très bonne réaction. C'est ça. Tu vois, lorsque tu seras habitué, je ferai passer une petite annonce. Oh, tu es bon pour moi. N'oublie pas une chose. Ce qu'il y a d'important avec les filles, vois-tu, c'est d'être galant. Oh, ça, c'est pas difficile, je peux te faire ça, moi. C'est vrai? Oh, fuck. C'est vrai. Fuck. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est toi qui t'as dit de faire le galant. J'ai fait de... Qu'est-ce que tu crois? Galant, ça veut dire faire du charme à la femme. Hein? Ne même pas lui laisser le temps de souffler. Hiver, regarde-moi. Alors,
Extraordinaire, elle était toute émotionnée. Une autre qui vient. Vas-y, fais comme moi. Oui, non, pas moi. Non, je tremblotine. Mais non, t'énerve pas. Répète en ton faible intérieur. Je suis galant, j'ai du charme. Je suis galant. Je vais te faire plaisir. Je répète. Content, gobelet. Une si tant belle rose. Tu l'aimes? Oh, et oui. Eh ben, je te la donne. Eh oui. Seulement, rappelle-toi une chose. Il n'y a pas de rose sans épines. Bon, c'est très bon. Vous êtes exactement les personnages. Il n'y a que vous pour les faire. Denis, soyez gentil et attendez-moi dehors avec les autres. Je prendrai une décision d'ici une demi-heure. Allez, mon petit. Les crapauds, elles sont toutes formidables. Les soins ne seront pas faciles. Ah, mademoiselle. Non, ne parlez pas. Vous voulez faire du cinéma, je le devine. Quoi faire? Plus de fleurs pour être galant. Dis-le, tu sauras que pour être galant, il y a plus fort que les fleurs. Plus fort? Il y a ça. Ça? Ça quoi? Mais tu te rends pas compte? Avec ça, tu peux tout réussir. Momento? Oui. Suppose que le trottoir est mouillé. Et une seconde. Bon. Arrive une belle blonde. Qu'est-ce que tu fais? Oui, je suis vite avec mon manteau. Mais non, il ne s'agit pas de ça. Laisse-moi le faire. Avant de me traiter de chameau, sachez que c'est le manteau qui a une bosse. Ma pauvre vieille galoche, tu sauras qu'on fait jamais de galanterie avec une boîte à pain. Je jure, il n'y en a plus jamais de bosse, gobelet, je jure. C'est bizarre. Toutes ces filles qui montent et pas une qui redescend. Si on a voir le cœur net. Ah, c'est tout à fait cela. Vous êtes parfaite. Et même plus encore. Soyez gentille. Attendez-moi dehors avec les autres, s'il vous plaît. Merci, perfetto. Chacune me plonge dans un délicieux mais déchirant dilemme. Et pourtant, il faut choisir. Ah, mademoiselle, veuillez vous asseoir. Oh, perfetto. Alors, je vous explique qu'il s'agit d'un film d'horreur. Alors, supposez, le monstre, il s'approche vers vous et vous avez une peur atroce. Oh, parfait. Maintenant, le monstre, il est vraiment sur vous, là, hein? Il avance sur vous. Vous êtes à la limite de la rare. Faire hurler une fille comme ça,
Ou bien il faut être docteur, ou bien il faut être maniaque. Il n'a pas son nom sur la porte, il n'est pas docteur, donc il est maniaque. À moins qu'il soit docteur maniaque. Maintenant, je suis habitué, j'espère que Goblet va mettre l'annonce. Ça compte pas, c'est un garçon, alors. Ça, c'est trompeur. Celle-là, je ne vais pas la rater. Mademoiselle, mademoiselle, je m'exerce où à la galantine. Vous voudriez pas passer sur... Excuse-moi, je ne pouvais pas savoir. J'aurais dû savoir. C'est une vraie... Non, non, pas ça, pas ça. Je ne veux pas mourir en galantine. L'affreux monstre, il approche. Il ouvre l'immense clapet qui lui sert des bouches, découvrant une horrible éventouse et pourpre. Momento, momento. Action! C'est pas possible, je deviens hystérique. Ça fait rien. L'important, c'est d'être sur place. Personne ne s'intéresse à mon manteau, alors. Peut-être si je serais dedans, elle serait plus pitoyeuse. Stop. Une seconde. Je suis galant, alors. Il faut marcher sur le manteau. T'es sûr que c'est ici? Oui, oui, au 13e. Au 13e? Vous venez à cause de l'annonce? Oui. Goblet l'avait promis. Il est bon pour moi. Cherchez pas plus loin. L'annonce, le 13e, c'est moi. Non, ce serait lui, le grand Antonio Nipazzoli. Les réalisateurs de films, c'est souvent plein de manie. Faut pas se fier aux apparences. Surtout pas le vexer. Oh, maître, quelle chance! Et quel plaisir pour nous! Elles sont pas grassouilleuses, mais elles sont mignonnes quand même. Mon cœur pile-pâte. Pauvre innocente, mignonne. Elle ne se doute de rien. Heureusement que je suis là. À la première occasion, je me faufile dans la chambre et j'enchaîne le maniaque. Ah non, pas encore quelqu'un. Le regret, c'est complet. Aidez. Il y a du monde. Vous êtes chanceuse, vous êtes les premières.
trier comme ça, il y a de la place pour tout le monde. Je vais lui en faire, moi, de la place pour tout le monde. De la place pour tout le monde. Pourquoi pas? Ça, c'est le lit, ça, c'est l'armoire. Délicieux, très excitant. Ça, c'est le poêle, le tuyau, la baignoire, le frigidificateur, ça, c'est gobelet. C'est votre homme à tout fait? Oui, oui, il fait tout, 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 même des surprises, alors. Ah. L'heure est grave. Il faut absolument que je te parle. Le type qui habite à côté, sais-tu qui c'est? C'est un maniaque. Un maniaque, quoi faire, quoi faire? T'énerve pas, j'ai un plan. Il faut absolument sauver les filles. Toi, tu les retiens ici. Pour toutes les filles, défense de sortir sous aucun prétexte, compris? D'accord, d'accord. Moi, je me charge du reste. Je vais donner un petit coup de balai. Oh, frappe pas trop fort, sois prudent. Les filles, il faut que je vous préventionne. Il faut pas sortir sous aucune prothèse. À cause d'un armagnac terrible qu'il a tout près. Peut-être il va vouloir foncer dans la chambre, le vilain. J'ai une idée. Comme ça, il n'y a qu'à fermer la porte, oups, et l'affreux sera pris au piège. Tiens, attrape sa petite salope. Tiens, tiens, ah, tu ne m'échapperas pas comme ça. Tiens, il tient, il tient, là. Ça n'a l'air de rien, mais c'est pas facile de faire la chasse dans un escalier. Surtout contre une petite souris de rien du tout. Là, il n'y a plus de danger, alors. Tortionnaire à la petite demi-heure, me voici, moi, vengeur de mignonne attresse et en détresse. Oh, un pédo, stupéfiant. Je t'ai fait des vies. Oui, vous avez de la chance, alors il restait du pain tranché pour une petite tratine, ça tue. Oui. Peut-être qu'il y a pas assez de mélastre. Oh, mais non, cher maître. C'est que nous sommes là pour une audition. Oui, alors, ça c'est dommage, je peux pas vous aider dans votre audition. Je sais même pas compter, pauvre petit moi. Venez, frère Clariatide, que je vous entre d'ici. Coupé! Oh. Oh, bravo! 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 Vous avez été... Vous avez été, comment dire? Too much. Je vous engage, vous serez le héros de mon film. Venez, venez, asseyez-vous. Asseyez-vous et négocions. Venez, voici les contrats. Vous signez. Ah, oh, ma vedette. Ma vedette. Un moment. Oh, c'est grandiose. Oh, c'est...
c'était formidable. Non, coupez, c'est pas bon. C'est pas bon. Tu peux pas sauver seulement une fille. Mon talent s'impatiente. Il m'en faut plusieurs. Ouais, ça a changé les scénarios. Oui, c'est ça, changer le scénario. Changer tout. Oui, attendez. Ah! Toutes les filles sont menacées par le monstre. On l'entend venir. Monter les marches de l'escalier. Crouinche, crouinche. Et moi, je les sauve toutes. Toutes ou rien? Non, c'est impossible. Il faut passer au budget. Le budget? Amenez-le-moi, le budget! Que je le crée. D'ailleurs, les filles, elles sont parties, regardez. Grâce à Bibi, elles sont toutes sauvées. Mais oh, c'est peut-être, elles me rendront malade. Très bien. Non, c'est d'accord, je les engage à toutes. Ah, où sont-elles? Où sont les filles? Ouais, elles sont là, c'est drôle. Et les autres? Il n'y a pas d'autres. Ah, mais ces deux-là, elles n'ont pas passé l'audition. Oh. Allez-y. Stop! Ah. Attendez. Oh. Le héros, le monstre, il est là. Bon, et le héros. Ah. Regardez. Stop. C'est extraordinaire. Très bien, mon brave. Qu'en pense le maître? Le grand vient de Tony, on n'est pas joli. Ah oui, alors, je ne suis pas le Tonio Pasoli, moi je suis le clown sol. Et je vous présente le grand Antonio Nipazzoli. Mais c'est une vraie maison de fous. On nous prend pour des idiotes. Vous ne partez pas, le moteur en scène a dit extraordinaire. Bon, vous frappez pas, de toute façon, il y a des milliers de films qui se sont tournés avec seulement une fille. L'important, c'est le héros. C'est vrai, j'ai d'ailleurs une idée nouvelle des scénarios. Un monstre difforme... Une loque maniaque. Vous l'êtes, c'est pas peur. Pas besoin des costumes, pas besoin des maquillages. Oui, alors, c'est drôle, je fais pas peur, moi. Si tu veux un vrai almanach, je sais où il y en a un. Pauvre lui. Dommage. J'avais même le titre du film. C'était quoi, Gobelet? C'était nous deux. Le Zorro et l'infini.